humanitaire pour accueillir les associations avec lesquelles nous travaillons. Nous considérons ensemble que la Jungle de Calais ne peut pas être un projet humanitaire pour tous ceux qui sont désireux d'offrir une situation de protection à ces femmes, à ces hommes, à ces enfants qui ont fui les persécutions et qui cherchent un avenir pour eux-mêmes. Il n'y a pas d'idéal humanitaire de la boue et de la précarité. Nous souhaitons que ces réfugiés puissent être accueillis dignement. C'est la raison pour laquelle nous avons ouvert 102 centres d'accueil et d'orientation en France qui permettent l'accès à la langue, qui permettent à l'accompagnement social, qui permettent l'accès aux soins et qui permettent enfin l'accès à une vie normale. Et tel est le projet du gouvernement. Permettre à ceux qui sont dans cette précarité, dans la boue, dans le froid, dans la difficulté, d'être traités dignement avec un véritable dispositif d'accompagnement en France.